Bonjour à tous, chers amis. Moi, je suis Harry Schneff et avec moi aujourd'hui, il y a William Bruno. Bonjour à tous, les gars. Alina. Bonjour tout le monde, les gars. Safik, 1, 2, 3, 4. Et pas ça, chérie, salut. Aujourd'hui, nous sommes au parc d'attractions de Joke Joy pour filmer une vidéo sur la bande de couleurs de Huggy Wuggy et ses amis. Le truc, c'est qu'on a récupéré ses costumes à la bande colorée de Huggy Wuggy. On a eu du mal à les convaincre de nous laisser les prêter, mais on a fini par y arriver. Alors, maintenant, on peut filmer cette vidéo. Écoute, Arthur, filmons une vraie vidéo avec ce Huggy Wuggy Gang. Écoute, si nos abonnés nous mettent 100 000 likes sous cette vidéo, alors, nous, quand on allons rendre les costumes, nous saurons où se trouvent leurs repères et nous pourrons même attraper cette bande. Et puis, on va enlever leurs masques et on leur fera des farces. Mince, ok, je vais mettre vite mon like en premier pour qu'on reçoive 100 000 likes le plus vite possible. Ok les gars, allons jouer, c'est parti! Et maintenant, nous allons vous montrer cet énorme parc! Et maintenant, nous allons jouer à Among Us! Dans ces costumes colorés de Huggy Wuggy, tout au long du jeu, on va avoir plein de tâches à accomplir sur cet immense territoire. Et pour déterminer lequel d'entre nous sera un membre de l'équipage et lequel sera un imposteur, on va utiliser les cartes qui sont juste ici. Celui qui a une carte avec une tâche est un membre d'équipage et celui qui a un cercle rouge est un imposteur. L'imposteur peut saboter et utiliser un seul mouvement de loup-garou par tour. Quand par exemple, moi, Harry Schneff, je me transforme en Pacha Shiraev, je me transforme du vert Huggy Wuggy en un jaune. Quand l'imposteur tue quelqu'un de l'équipe, il doit s'allonger sur le sol et ne pas bouger jusqu'à ce que quelqu'un de l'équipe le trouve. Mais si quelqu'un le voit, il doit obligatoirement klaxonner et courir vers le tonneau bleu. Safik, apporte le tonneau. Je vais tout de suite. Voilà. Hop. Courir vers ce tonneau bleu et appuyer sur le bouton rouge pour appeler une réunion. Et là, on est en train de trier les cartes. Et celui qui aura l'imposteur, il va devenir l'imposteur. Voilà, c'est comme ça. On met le masque et on court. Tout le monde, partez d'ici! Les gars, on joue? Les gars, j'ai regardé sur ma carte. De toute façon, je dois faire ma mission quelque part ici. J'ai ma première tâche avec le numéro 2 écrit dessus. Suivez-moi, on va aller le chercher. En fait, je suis un civil, d'ailleurs. Je le dis au cas où, parce que peut-être que vous avez pensé que j'étais l'imposteur ou un traître. Eh bien, à cause de la couleur, j'ai l'air peut-être d'un traître. La couleur rouge est toujours la couleur des traîtres. Les gars, zut, je dois aller par là, mais il y a un panneau qui dit uniquement avec les adultes. Et moi, je suis pas un adulte, moi. Comment je suis censé d'entrer là-dedans, maintenant? Mais attendez, il y a une astuce. Si toi, mon spectateur, tu es un adulte, alors je peux entrer avec toi juste ici. Tu sais comment tu peux prouver que tu es déjà grand? Les adultes savent comment s'abonner à la chaîne. Donc si tu cliques maintenant sur le bouton rouge d'abonnement et le rend gris, je saurai que tu es déjà grand et responsable. Et alors je peux aller avec toi. Allez, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, alors vas-y! Clique sur le bouton d'abonnement et hop! Oh, je vois que tu t'es abonné! Donc tu es un adulte, cool! Allons-y! Donc s'il arrive quelque chose, je peux me justifier d'être accompagné par un adulte! Oh là là, les gars, regardez! Oh. On ne peut pas se laisser distraire! On doit se dépêcher de faire nos épreuves avant que l'imposteur fasse son sale boulot et tue toute l'équipe! Je n'aimerais pas d'être l'un des premiers! Voilà, les gars! Ma première tâche est la numéro 2! Et si on doit construire un mot à partir de ces dés avec les lettres dessus? Ok, on va se débrouiller. Ouais les gars, il est là, William Bruno. Il ne sait pas du tout que je suis un imposteur. Un timing parfait pour le tuer. Les gars, c'est ici qu'on peut se cacher son cadavre. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une mission ici en fait. Tu es sûr? Ouais. Ok. En fait, regarde ces trampolines ici. Ils sont vraiment super cool. C'est un vrai parc de trampolines, ça. Maintenant, regarde comment je peux faire. Wouah! 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 Bruno, c'est trop cool. Cherche des cubes avec des lettres.
Oh, quoi avec des lettres? Mais tu dois le savoir, tu as aussi une épreuve à passer. Je sais pas encore quelle est ma mission. Ah, je vois, je pensais que tu étais l'imposteur. Regarde, tu dois trouver les lettres sur des cubes et faire un mot avec. Faisons-le ensemble. Allez, mince les gars, nous allons devoir reporter le meurtre de Bruno pour un moment. Regarde Bruno, il y a des cubes qui nous manquent. Je vais aller chercher par ailleurs. Ah. Ok, eh bien, reviens le plus tôt possible. Ensemble, on s'en sortira plus vite. Ok, je crois que je vois une lettre. Les gars, mon défi se trouve quelque part sur le toboggan. J'ai regardé sur la carte et le toboggan est quelque part par ici. Je ne sais pas vraiment, j'ai pas compris. Donc maintenant on va chercher ensemble. Ici il y a tellement de choses cool. Regarde un requin là. Oh, un toboggan, mais c'est pas ce qu'il me faut. Ici c'est très facile de se perdre. A priori je dois aller par ici. Oh, c'est le toboggan dont j'ai besoin. Bon allez, je monte en haut, c'est là-bas qu'il doit y avoir ma mission. Ah, avec ce donut. Les gars, c'est Zafi 4-3-4 à la barre. Ouais, c'est Doc, c'est un parc de jeux malade. Il doit bien avoir mon défi quelque part par là. Ma mission est numéro 2. Ok, je plaisante mes amis, je suis un imposteur. Allez, deuxième blague, je suis pas un imposteur. Je suis super connard. Allez, laisse-moi vous montrer ce qu'il y a ici. Oh, c'est extraordinaire, les gars. Je n'ai jamais vu un centre aussi beau et aussi grand. Ici, nous avons un labyrinthe. Mais dans un labyrinthe, je pourrais être tué par un imposteur. Personne différent. Regarde. Ok. Génial. Il va y avoir ma deuxième mission quelque part. La vache. C'est juste une vraie patinoire. Il y a même des crosses de hockey, les gars. Ouh, c'est la bombe. Qui aime le hockey, écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Et moi, je vous comprendrai tout de suite. Il n'y a aucune mission pour moi ici, donc je vais devoir quitter cette patinoire. Bon, allez, peu importe, on y va. Je vais aller... Les gars, j'ai pas eu l'occasion de tuer Bruno, j'ai besoin d'un bon moment pour l'attraper. Je vais le... Ah, les gars, j'ai pas fait exprès. On doit sortir d'ici rapidement, retourner auprès de Bruno. Les gars, je ne voulais pas du tout tuer Artyom, surtout pas dans un endroit si visible. Je ne pourrais pas tuer William Bruno tout de suite, car il faut un seul temps de temps pour que le taser fonctionne à nouveau et que je puisse le tuer. Donc, je ne pourrais pas tuer William Bruno maintenant. Je dois être extrêmement prudent pour que personne ne le sache. J'espère qu'Artyom ne sera pas bientôt retrouvé, car il est juste prêt. Alina, où sont les cubes que tu es allée chercher? Oh, les cubes. Je les ai pas trouvés, je pense qu'ils sont tous ici en fait. Mince, Alina, c'était juste une perte de temps. Regarde, j'ai déjà trouvé deux lettres. C'est bon, elles sont si difficiles à trouver, vraiment. Eh bien, laisse-moi t'aider, ils sont ici. Écoute, pour être honnête, tu n'as pas pu les trouver, donc je vais aller les chercher moi-même, ok? Oh, ne va pas là-bas. Oh, ils sont tous là de toute façon, il n'y a rien là-bas. Vraiment, du tout. Écoute, Non. Moi faire moi-même, enfin. Bruno, tu entends ça? Ouais. Je crois que quelqu'un a été tué. Et toi et moi étions ici ensemble, tu te souviens? Ouais. C'est bien que nous n'ayons pas été tués. Les gars, je vous ai appelé ensemble parce qu'Artyom a été assassiné juste en face de moi. Juste devant toi? Oui, juste devant moi. À qui l'a fait? Je ne sais pas qui c'était. Ok, réfléchissons logiquement. J'ai rempli ma mission et puis j'avais cette espèce de dessus de cul. Donc ça pourrait être sa pique parce qu'Artyom a été tué en face de lui. Soit elle a vu le tueur, soit elle est le tueur lui-même. Ce n'est pas être comme ça, c'est pas vrai, n'importe quoi. Si vous me demandez ce que je faisais, je jouais au hockey et je suis allé sur un terrain de jeu là-bas. De toute façon, je n'ai encore trouvé ma mission. Qui avec qui? J'ai compris que sa fille était tout seul et que moi j'étais tout seul. Et vous, tous les deux, vous étiez où? Moi, j'étais avec William Bruno tout le temps, donc j'ai un alibi. Oui, nous étions avec Alina tout le temps, sauf pendant le moment où elle... Je ne pense pas qu'Alina cherchait t'aider à ce moment-là. Elle a tué Artyom et on peut pas la dénoncer. C'est une fille après tout. Je pense que c'est Pacha qui est le traître. C'est l'imposteur sans aucun doute. C'est pas vrai. Bruno, tu mens. Ça fait que tu as entendu ce que Bruno a dit, qu'il était avec Alina tout le temps. Mais à un moment, il est parti pour je ne sais quelle raison. Elle a arrêté de donner des informations à Alina à 100%. J'ai le même avis que Bruno, car lui et moi, tu es en train de collecter des cubes et ne faisions rien d'autre. J'ai un alibi pour Bruno et elle en a un pour moi. Donc nous sommes tranquilles. C'est toi, c'est toi. C'est toi. Le tueur. Il ne peut pas être meurtrier. Parce que c'est lui qui a été assassiné. Ah. Donc, c'est lui qui est assis à gauche de moi. Alina, elle est meurtrière. Silence.
Silence, stop. 100% Alina l'imposteur. J'en suis sûr à 1 000 000 %. T'as raison, ça figue. Très bien, moi je vote. Allez, c'est Alina. Moi aussi. Et j'ai pour Pachka. Je suis pour Pachka, moi aussi. Comment ça? Du coup, on égalité. Que le jeu continue. Les gars, nous n'avons pas pu trouver l'imposteur pendant cette réunion, mais nous devons chercher des missions maintenant. Les gars, je ne suis pas sûr qu'Alina soit le traître, mais ce tour-ci, je vais le découvrir. Je vais découvrir la vérité. Les gars, je fais semblant de chercher une nouvelle mission. Allez, tu m'as fait tellement peur. J'ai compris que c'est toi qui as tué Artyom. Tu es le traître. Tu es l'imposteur. C'est toi qui devrais être tiré du jeu parce que tu tues des civils. Comment t'as pu faire ça? C'est vrai. Merci de me protéger. Je ne vais pas te tuer pour ça. Eh bien, c'est déjà mon credo. Écoute, t'as vu où sont Pachka ou Safik? Merci de m'avoir gardé en vie, bien sûr. Mais je n'étais pas dénoncé uniquement parce que je n'étais pas sûr. À la prochaine réunion, je réfléchirai très sérieusement à la façon dont je dois répondre et pour qui je dois voter. Alors ne trahissons pas les membres de l'équipe, mais faisons le travail, Alina. Suis-moi. Ok, mais les gars, j'ai une autre tâche. Je dois tuer Safik. Enfin, ou Pachka. N'importe que je rencontre. Je ne toucherai pas à Bruno, c'est sûr. Les gars, j'ai décidé que je vais continuer là où je m'étais arrêté au round précédent. Avec cette tâche qu'on m'a coupée, on m'a pas laissé finir jusqu'à la fin. Regardez, le but c'est de faire une maison avec le sudoku, juste avec des chiffres. Donc là je suis assis, je tourne tous ces morceaux de bois. Ok, ça a l'air d'être dans l'ordre. Le plus important c'est que vous bougez pas, parce que dans le continuum c'est pas très confortable. Ça glisse et le bâtiment il est en train de s'écrouler. 34-46, c'est le bon ordre a priori. Le problème c'est que je connais pas tous les jeux, mais bon, je pense qu'avec ce jeu j'ai tous les apprendre. Cette maison, c'est sympa! Ouais! Moins un! Ouais! On t'a eu! Notre plan a fonctionné! Ouais, je n'ai rien à voir avec ça. Pachka et moi avions dû que tu étais un imposteur. Alors nous avons inventé un plan de ouf malade. Je me suis caché ici et Pachka jouait tranquillement le jeu. Et on t'attendait. Pachka s'est sacrifié pour gagner. Et ouais, tout ça pour gagner. Tu n'as jamais pensé que Pachka pouvait être un meurtrier? Et puis, s'il te tuait, tout le monde penserait vraiment que c'est moi l'assassin. Oh non! Eline, toi, tu aurais pu, c'est toi qui aurais dû, c'est toi. C'est pas moi. Oui, c'est toi, 100%. Moi. Je t'ai vu tuer Pachka, donc c'est toi, 100%, j'en suis sûr. Ce n'est pas moi parce que quelqu'un utilisait un loup-garou apparemment. Et ça doit être Sadik, elle est déguisée à moi, il a tué Pachka et maintenant elle me piège. C'est vraiment n'importe quoi. Non, c'est toi, j'en regarde dans les yeux. Tout le monde le sait maintenant. C'est elle à 100%, c'est 1 000 000 %. Hey, j'en suis sûr, même pas ça, il était sûr. Bruno, mais toi, tu sais très bien que ce n'est vraiment pas moi. Écoute, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Ou peut-être c'est toi le traître? Quoi? Nous jouons honnêtement, donc je vous propose de voter. Je vote contre Alina. C'est équitable, et voilà. Ok, bien. Nous jouons honnêtement, il faut dire la vérité. Désolé Alina, mais vraiment, je pense que tu es l'imposteur. J'ai des preuves, moi. Je vote contre Alina. William Bruno, t'as fait une erreur en choisissant sa fille. Oui, je suis l'imposteur. Je te l'avais dit. Les gars, William Bruno et moi, nous avons gagné. Ouais, nous allons pouvoir passer au prochain tour. Le monde n'a jamais vu des vidéos comme celle-ci. C'est une bombe atomique ce tour, les gars. J'ai été choqué qu'Alina soit l'imposteur et qu'elle m'ait tué juste au début de la partie. Mais maintenant, nous allons tirer à nouveau les cartes. Et en faisant cela, maintenant, cette fois, vous ne saurez plus qui est l'imposteur et qui est le membre de l'équipage. C'est la mienne. Ça, je prends. Allez, je le prends. Et moi, j'ai ça, moi. Je vois rien du tout. Non mais vous savez les gars, maintenant j'ai juste peur de tout le monde. Parce qu'ils peuvent se venger. Va-t'en. Je vais quand même me venger. Le dernier tour, Alina m'a assommé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire une seule tâche. Mais cette fois, il faut être aussi prudent que possible et ne faire confiance à personne. Ok, il doit y avoir quelque chose dans ce labyrinthe. J'en suis sûr. Où sont les tâches? C'est facile de se perdre ici. Yes, les gars, j'ai trouvé ma première tâche.
Enfin, c'est la tâche N4, mais c'est la première pour moi. Il y a une carte à insérer, mais je n'ai pas la carte elle-même. Apparemment, la carte est dans ce labyrinthe. Je vais la trouver, c'est sûr à 100%. Ma tête. Je suis coincé. Comment je peux sortir d'ici? N'approche pas de moi. N'approche pas. J'ai déjà été tué, n'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Pas de moi non plus, allez. Tu es sûr que tu n'es pas l'imposteur? Non, j'ai été tué immédiatement au début du premier tour la dernière fois. Je n'ai même pas terminé la mission, donc je ne fais confiance à personne maintenant. Artyom, je ne suis pas un imposteur. Je suis en train de mener une mission ici. Ici, j'ai déjà trouvé la carte. Il ne reste plus qu'à trouver un lecteur de carte. Eh bien, je l'ai vu là, derrière. J'ai cherché la carte et maintenant je suis coincé ici. Je peux rien faire. Laisse-moi te montrer. Pousse-moi. Allez, on pousse maintenant. Allez, allez, donne-moi tes mains. Allez, 1, 2, 3. On est sorti, ouf. Mais je devais aller dans le sens inverse, en fait. Très bien, on va trouver une solution. Ouais, d'accord. Ne me pète pas dans le nez, s'il te plaît. Et pousse ici, encore une fois. J'ai perdu ma carte. Attention, attention. Ok, voici la carte. C'est tout, nous avons une mission à accomplir. Artyom, où es-tu? Tiens. Ok, les gars, on va faire la mission maintenant. Ça ne marche pas. Essayons doucement. Oui, mission accomplie, les gars. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec la lumière? C'est toi qui as fait le sabotage. C'est toi. C'est du sabotage. C'est du sabotage, Artyom. Je pense que quelqu'un a saboté. Tu dois te déplacer très prudemment dans le noir. T'es sûr que c'est pas toi? Tu m'as fait mal. Allez, sortons d'ici avant que nous soyons tous les deux tués comme de gros connards. Ici il devrait y avoir une princesse. Je t'ai eu, c'est moi, William Bruno, qu'est-ce qu'il y a? T'es sûr, c'est toi, Bruno? T'es pas un imposteur? Pourquoi je serais un imposteur? Je plaisante! Écoute, mec, je te jure que je ne suis vraiment pas un imposteur. Eh bon, moi aussi, tu le jures, je te crois. Écoute, je ne suis pas du tout là, UFO. Je vois que tu as, un peu de problème avec ta mission, mais moi ici, j'ai littéralement une lettre à trouver et ma mission est terminée, mec. Allons passer ma mission, mec. La lumière meilleure chez toi? Parce que chez moi, c'est sombre, j'arrive pas à faire ma mission. Écoute, avec toi, jaune, ça sera plus lumineux, évidemment. Allons-y. Très bien, allons-y. En fait, Pache, regarde, depuis combien de temps est-il allongé ici? Qu'est-ce que c'est? C'est une torche. Et on va évidemment en avoir besoin maintenant. On est dans l'obscurité, c'est ce qu'il nous faut. Oui, c'est ça. Là, on doit aller par là. Suis-moi, allez. Allez. Ouais, Pachka, regarde. Voici la mission. Tu vois, j'ai presque fini le mot ici. Hog-g. Il manque une lettre. Je ne comprends pas du tout laquelle. Et après toi, c'est quel mot alors? Je n'en ai aucune idée. C'est pourquoi je t'ai invité à m'aider. Eh, mec, c'est quoi cette lettre? Oh, Aline! N'approche pas, n'approche pas! Tu peux m'aider, s'il te plaît? Eh bien, je suis en train de faire un mot ici, et il me manque une lettre pour finir. Je ne comprends pas quelle lettre il faut mettre ici. Tu peux m'aider, toi? Aline a dit la lettre A. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que ça marche? Haga! C'est Haga! Moi, je connais pas ce genre de mot. Je pense qu'on s'est trompé de lettre. Oui, je pense qu'Alina se trompe aussi. Mince, quelle lettre ajouterais-tu ici? Bruno, t'as regardé au fond de la piscine? Ici, il y a beaucoup de cercles, de formes, on dirait des lettres, comme celle-ci. Je vais sûrement aller dans la piscine, je vais plonger et puis je vais trouver des lettres, ok? Ok, sauf que ce sont pas des triangles. Je sais, ça c'est des losanges. Bon, allez, je suis parti, c'est parti! Ok, Pacha, cherche là-bas. Et moi, je veux demander aux experts, moi. Les gars, il me manque vraiment une lettre. Juste une, mec. Et je vais faire un mot avec. Qu'est-ce que c'est? Quelle lettre je dois ajouter ici? Les gars, si vous savez quelle lettre ajouter et quel mot obtenir, écrivez ce mot dans les commentaires, les gars. Je peux voir tous les commentaires en temps réel. Et si vous écrivez la bonne réponse maintenant sous cette vidéo, je comprendrai alors et je pourrai assembler le mot complètement. Et mon travail sera terminé. Bon, allez, joue avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Parce que Pachka s'est déjà noyé, mec. Et le travail n'avance pas du tout. Il n'y a pas de progrès. Allez, écris le bon mot dans les commentaires. Eh,
tu as écrit Huggy. Alors il faut un Y. Hé, hey, Pache, j'ai besoin d'un Y. J'ai trouvé. Je crois que je l'ai trouvé. Le voilà. Aide-moi. Oui, j'ai trouvé le mot Huggy, c'est ça. Et c'est un Among Us Huggy Waggy style. Si c'est le bon mot, alors maintenant, oui. Oh, les lumières sont allumées. Yeah. Top là. Moi et Pachka, on est la meilleure équipe, ouais. Oh, attends. Écoute, Pach, allons-y ensemble et trouvons l'imposteur, hein. Bonne idée. J'ai confiance en quoi, en toi, Bruno, et toi? Bien sûr. Nous avons vécu tant de choses ensemble. On a trouvé la lettre, allons-y, Pach. Du coup, ça veut dire qu'en suspect, on a juste quelques personnes. Je pense que c'est encore Alina. Pourquoi tu rigoles? Moi, je pense que c'est Artyom. Voyons voir, mec. Pourquoi est-ce que je pense que c'est Artyom? Pendant tout le round, je l'ai pas vu une seule fois. Écoute, je l'ai vu une fois et... Attends. Aïe, Pachka, c'est stop, Alina. Stop. J'appuie sur le signal. Non, faut pas. Arrête. Pourquoi? Je suis bien sûr désolé, mais... Là, il y a la mission 10. Presque terminée. Oh. Oh. Hey. Allez, maintenant, appuie. Je commençais à penser que tu ne voulais pas que j'appuie parce que tu es un imposteur. Pour que je te ne dénonce pas. Ce n'est pas vrai. Appuie. J'ai compris. Qui a convoqué la réunion? C'est moi. C'est moi qui ai appuyé le bouton assembler la réunion. Allez, réfléchissons un peu. Qui est l'imposteur? Bruno et moi, on a fait la mission ensemble. Puis nous avons trouvé le cadavre d'Alina. Et Safik n'est pas là. Et toi, t'étais où, Artyom? Moi, j'étais en mission avec Safik. Il était avec Safik. Et Safik n'est plus là maintenant. Il n'a probablement pas entendu, tout simplement. Il doit bosser encore. Oh non, on arrive plus à trouver la Huggy Wuggy bleu. Bah, il est aux gens en mission. Où il est? Non, frère, non. Bruno, c'est Artyom Marchiniev. C'est lui, le traître. Espions-le durant le vote. Je viens de trouver le cadavre de Stafik. 1, 2, 3, 4. Toi et moi, on est restés ensemble tout le round. Ni toi, ni moi, nous nous sommes séparés. Je vote pour Artyom. Mais ce n'était pas moi. Et en effet, nous étions ensemble tout le temps avec Pachka. Donc je vote aussi contre Artyom, moi. C'est un traître de toute façon. Non. Je suis vraiment content que les gars aient deviné que j'étais l'imposteur. Et c'est parti pour le troisième round. Vous avez peur, hein? C'était mon idée. Bon, ici, il y a la mission numéro 7. Et la mienne, elle est là-bas. Il suffit juste de télécharger un fichier. C'est ce que je préfère. Il n'y a rien à faire. Il suffit juste comme ça. J'attends que ça télécharge. Allez, on y va. Regardez, la mission est là-bas, en haut du toboggan. Là-bas. Il faut juste que je monte et que je commence à faire le travail. Qu'est-ce que tu fais ici? Mais enfin, quoi, Bruno, tu viens m'aider, c'est ça, ouais? Bruno, qu'est-ce que tu fais ici? Il est encore ici. Visiblement, c'est lui l'imposteur. Il veut me foutre un coup de taser. Bon, on dirait que je l'ai semé. Bon, après, j'ai le temps de redescendre. Oh non, j'ai pas le temps. Il est en train de descendre. Non. Qu'est-ce qu'il te faut, Bruno? Laisse-moi tranquille. Je n'ai nulle part pour où aller. J'ai personne, j'ai nulle part où aller. Tu fais quoi? Pachka, non! J'ai tombé! La réunion! Mais qui a été tué? Je viens de voir comment Bruno a tué Pachka! Moi? Mais qui encore? Bien sûr que toi! Mais comment pourrais-je? Comment? Je m'en souviendrai si je le faisais! Les gars, je vous le jure! J'ai vu comment Bruno a assassiné Pachka! Ce n'est pas possible! Je pense que c'est Artyom qui a mis mes vêtements!
Parce que c'est lui le traître. C'est lui l'imposteur. C'est toi l'imposteur. Tu es l'imposteur, Bruno. Ouais, tu es le vrai imposteur. Je n'ai pas vu Pachka du tout pendant ce tour. Les gars, je faisais mes tâches, donc je n'ai rien vu du tout. Mais puisque quelqu'un a vu Bruno tuer, je vais le croire. Vraiment. Je vote pour Bruno. C'est lui l'imposteur. Moi aussi, je suis pour Bruno. Bruno est l'imposteur. Eh bien, vous vous trompez. Ce n'est vraiment pas moi. T'as aussi voté contre moi la dernière fois, donc t'es un imposteur. Non. Comment ça, ce n'est pas l'imposteur? Mais il était Dut. Quoi? Mais c'est toi? Je pense que c'est Artyom. Il m'a dit qu'il l'avait vu. Il est vraiment rusé. Je vous le dis, c'était Bruno, je le jure. Tu peux jurer combien tu veux, on sait que c'est toi. Très bien, les gars. Allons, passez une bonne mission. C'est vraiment Artyom. Il nous prend la tête. Mais non. Les gars, je dois faire attention et m'assurer qu'Artyom n'est pas là. Parce qu'il pourrait surgir à tout moment et m'assassiner. J'ai peur. Yes, les gars. Luna. Ah, recule, recule. Pourquoi tu perds de moi? Non, mais parce que tu nous as poussé à éliminer William Bruno. La minute est déjà passée. Si j'étais un imposteur, je te donnerais un coup de taser et c'est tout. Mais comme tu peux le voir, tu es encore vivante. Les gars, c'est très logique. Écoute, et si c'était Safik? Oui, c'est 100% Safik. Si j'étais un imposteur, je te frapperais maintenant et ça y est, j'aurais gagné. C'est vrai, parce que premier tour, c'est moi qui l'ai tué en première. Écoute, il faut qu'on aille appuyer sur le bouton rouge. Alors, on court. Appuie, appuie. Allez, 1, 2... Ah, arrête de faire des bêtises. J'ai gagné. Cette fois, j'ai gagné. Ça fixe, c'est toi. On savait, on voulait appuyer sur Mais le bouton. Vous n'êtes pas arrivé à temps, c'est pour ça que là, j'ai gagné. Comment ça? Je vais vous le dire. La transformation a été un succès. Il est temps de sortir d'ici avant qu'il ne me voie. Vas-y, recommence. Oh mec, j'en ai marre de rester dans cette prison. Quand est-ce que ce clown va nous laisser sortir? Tiens. Alors les détenus, voici votre petit déj du chocolat. Mangez bien, mes amis. Bon, les gars, je comprends que vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Attendez, là, voilà. Et j'ai pris le plus petit, le Milky Way. Écoutez, monsieur le clown gardien, nos abonnés ont déjà mis 100 000 likes entiers, quoi. On a vraiment envie d'être libre. D'accord, il faut vérifier. Je vais consulter mon portable. Waouh, vous avez vraiment 100 000 likes. Alors, je vais vous laisser sortir. Attendez une seconde. Voilà, ça s'ouvre. Alors, on pouvait ça avant ou quoi? Non, on ne pouvait pas faire ça avant. Abonnés, merci beaucoup que vous avez mis ces 100 000 likes sous la première vidéo. Parce que quand les clowns nous ont mis ici, ils ont dit que quand il y aura 100 000 likes sous la dernière vidéo, ils nous laisseront sortir. Il faut que vous ayez au moins 100 000 likes. Vous avez mis 100 000 likes et on peut rentrer chez nous. Les gars, et ça c'est quoi ces clowns? Pas de précipitation, mes chéris. Nous voulons jouer à cache-cache avec vous comme les clowns de la dernière fois. Les autres clowns nous avaient prévenus la dernière fois. Alors là, peut-être mes amis reviendront un jour jouer de nouveau avec vous. Apparemment, c'est la deuxième partie des cache-cache extrêmes dans les boîtes de ces clowns. Regardez, il y a un clown astronaute et un chien. Nous voulons aussi jouer avec vous. Expliquez-nous les règles et allons-y. Les gars, j'espère que vous vous souvenez des règles. Ici, nous avons juste un tas de boîtes et nous avons 3 clowns qui vont nous attraper. Chaque clown a une façon différente de trouver les participants. Mais chacun a 10 essais. Alors cachons-nous dans les boîtes et faisons en sorte qu'ils ne nous trouvent pas. Moi je pense que le plus intelligent serait de se cacher plus près de juste la porte là. Alors moi les gars, je me cacherai dans cette boîte et ouais regardez. Hop, je vais disparaître et c'est parti.
Au fait, les gars, si vous mettez sous cette vidéo 100 000 likes, et je suis sûr que vous allez le faire, nous allons faire encore plus de vidéos sur les clowns et les cache-cache, même peut-être dans un magasin fermé pendant 24 heures. Bon, ok. Les gars, je suis vraiment heureuse que nous ayons été libérés. Pendant qu'on était en prison, j'ai trouvé des endroits intéressants pour se cacher et ils ne me retrouveront jamais. En tout cas, ma première idée c'est... Viens, je vais montrer. C'est une boîte comme celle-ci. Je l'ai retournée et je l'ai placée contre le mur. Je l'ai fait pour aller d'une boîte à l'autre parce que c'est pratique et qu'on peut voir où se trouve le clown. C'est pour ça que je me cache ici aujourd'hui. Et si je me cachais en plein milieu? Parce que si je me cache dans un endroit évident, ils me trouveront jamais, quoi. Bon, je vais vérifier cette idée. On va essayer. Hop là! Alors, je vais être le meilleur. J'ai une arme secrète, mon chien fidèle. Les gars, ce clown est accompagné d'un chien. Je vais la laisser se balader maintenant. Et moi, je vais me reposer tranquillement. Ce n'est pas juste. Elle va trouver tout le monde maintenant. J'entends ce chien courir d'une boîte à l'autre. Mince. Je crois qu'il m'a trouvé. Hein? Oh putain, on dirait que le chien a déjà trouvé quelqu'un là-dedans. Je vais casser la croûte pendant que mon chien cherche. Je crois qu'il est parti. Tout va bien, les gars. Je crois qu'on m'a pas trouvé. Tu as mangé mon sandwich? Alors bon, allons chercher les gens. Cherche. Allez, c'est parti. Cherche. Les gars, ce chien vient droit vers moi. Et en plus, je suis dans la boîte rouge. Et en plus, elle est vachement visible. Et si la couleur rouge attire l'attention du chien? Les gars, faisons-le. S'il vous plaît, changez la couleur de ma boîte. C'est très facile à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sous la vidéo et de rendre le bouton rouge s'abonner gris. Et alors, la couleur de ma boîte changera et je serai moins visible pour ce chien. Ok, chronométrons. 5, 4, 3, 2. Appuyez sur le bouton rouge. 1. Oh, elle a directement changé de couleur. Merci beaucoup. Quoi? Où vas-tu? Allez. Ils sont là, ils sont tout prêts. Il y a quelqu'un ici, je l'ai trouvé. Quoi? Il n'y a personne. Bon, on poursuit les recherches. Cherche. Quoi? Maintenant là? Là? Ils sont là? Ouais, t'es sûr? Personne! Mais comment se fait-il? Qu'avez-vous fait? Pourquoi est-ce que mon chien ne vous retrouve plus? Mais c'est pas grave, j'ai un deuxième secret pour vous. Voici mon deuxième secret. C'est un requin. Je vais l'utiliser pour retrouver tout le monde. Ce clown n'a plus de chien et il risque de ne pas pouvoir retrouver tous les autres. C'est mon requin préféré. Je la mets pratiquement partout. En fait, vous savez, les gars, elle a encore plus de chance avec ce requin. Au moins, il s'enfuit pas comme ce chien, ouais, les gars. Alors, on va le chercher. J'ai toujours de la chance avec ce requin. Je suis dans la boîte verte au cas où. Je suis sûr à 100% de trouver quelqu'un. Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Je pense que c'est mon intuition qui m'aide. Allons voir. Il a vraiment un vrai requin dans les mains ou quoi? Quoi? Personne? J'ai encore du mal d'écouter. C'est probablement la première et la dernière fois que je choisis une boîte aussi étroite. Il est impossible de s'y asseoir. Qu'est-ce que tu dis? Hein? La suivante? Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le verre là-bas? C'est qui là? Je vais te trouver. Toc toc, je t'ai retrouvé. Mais c'est à vous que j'ai parlé, que je suis dans la boîte verte, les gars. Pas ce clown. Mon requin est sûr que tu es là.
chopé Bruno. Allons-y. Les gamins, j'ai perdu. Putain. Allez, ah. Non, tu ne sortiras pas d'ici maintenant. Mais il commence à faire très chaud dans cette boîte, vraiment. William Bruno vient de se faire prendre. Qu'est-ce que tu as avec ta tête, clown? Je n'ai aucun problème. Je suis vétérinaire. Il faut sortir de cette boîte. De toute façon, je suis grillé dedans. Les gamins, c'est tellement frustrant de perdre. C'est le premier tour et ils m'ont trouvé en premier, quoi. Comment peut-on être aussi nul? Mon téléphone se décharge et il faut que je me promène avec une batterie comme un con, quoi. Mon requin préféré. J'avais dit qu'avec elle, c'était sûr. Les gars, j'ai réussi à me cacher de nouveau. Je vais te retrouver maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Celui là-bas, le jaune? Tu es sûr de toi? Voyons, voyons, t'es sûr? Il est juste derrière moi. Je stresse énormément. Ah, personne? Ah, mais pourquoi? T'es sûr? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Je crois que je sais pourquoi. Quelqu'un était là et a couru dans l'autre. C'est à 100% sûr. Mais ce n'est pas juste. Mais je te trouverai quand même. Où es-tu? Ah, peut-être que tu as couru vers cette boîte jaune. Ah, ah. Oh, il est juste là, mais... Bon, je suppose qu'il est trop malin, celui-là. Le rouge. Bon, celui-là, peut-être. Allons voir. Qu'est-ce qu'on a, là? Voyons voir. Je t'ai trouvé. Allez, allez, laisse-moi. Sophie, je t'ai trouvé. Viens avec moi. Moi, j'ai plus de chance que sa fille. J'ai une grande boîte. Et s'il commence à la lever d'un côté, je pourrais m'échapper. Ils t'ont trouvé aussi, hein? Ouais, mais au moins, tu n'as pas été trouvé en premier, toi. Moi qui disais, mon requin et moi, on va attraper tout le monde. Les gars, c'est un putain de clébard. Bah, moi aussi, j'ai eu peur quand j'ai vu que ce clown ressemblait à un putain de chien. Je crois qu'avec mon requin, ça marche une fois sur deux. Mais c'est pas grave, nous n'avons pas eu d'entraînement depuis longtemps. Quoi? Le bleu comme ta couleur? Plus clair? Allons voir. C'est là. Coucou. Qui est là? C'est vide. Mais comment c'est possible? Oh, vide. Bon, c'est pas grave. Ne me trahis pas. Il reste encore deux essais. Les gars, si vous voulez encore plus de vidéos avec des clowns et des cache-cache, mettez sous cette vidéo 50 000 commentaires. Et nous ferons un troisième épisode de cache-cache avec des clowns dans des boîtes. Qu'est-ce que tu dis? Le rouge? Laquelle? Le grand ou le petit? Ah, le grand? C'est lui-là? C'est le bon, là? Alors, qui avons-nous là? Qu'est-ce que tu dis? Il y avait quelqu'un là? C'est là que Aline se cachait! Mais où aurait-il pu aller? Allez, on y va! Il nous reste une chance! Nous devons le trouver! Tout droit? D'accord! Je vais où? Je comprends pas. Celui-là? Tu es sûr? Eh bien, cherchons-le. Il est vide. Je croyais qu'Arishnev était là-dedans. Encore personne. J'ai épuisé tous mes essais. Il n'a plus d'essais, lui. C'est comme ça qu'on va t'avoir. Compris, chat ivrogne? Safik, ça va, toi? Les gars, dans ce tour, ce clown n'a trouvé que Bruno et Safik. Et Alina et moi, nous sommes en train de nous introduire, donc le jeu continue. Et toi, tu disparais, compris? Mon requin m'a trahi. Il a disparu, Safik. Quelle voix je dois prendre? Celle-ci est trop grande, mais elle est sans doute pratique pour se cacher. Mais je pense que ce clown va ouvrir les grandes boîtes parce qu'il est lui-même le grand, le clown. J'ai donc décidé de prendre cette boîte jaune près de la mur jaune. Et comme ça, il ne regardera jamais là-dedans. Vous avez déjà vu un clown cosmonaute? Il faut choisir une boîte. La dernière fois, je me suis caché dans celle-ci. Et je dois dire que c'est aussi inconfortable que possible. J'arrivais à peine à tenir dedans. Mais les grosses boîtes droites ne sont pas non plus une option. Cette grande boîte est la meilleure. Je ne choisirai pas le rouge, car nous savons qu'il attire beaucoup de monde. Je choisirai plutôt celle-ci. Tout d'abord, si vous regardez de ce côté, elle est aussi étroite que la rouge. Mais regardez, il y a
a tellement d'espace. Bon. C'est plus confortable, bien sûr. Bon, les gars, maintenant, je vais me choisir une boîte et ça va être super. Hop. Celle-là, les gars, elle est jaune, parce que moi, j'adore le jaune. L'horloge m'a montré cette boîte. C'est celle que l'homme m'a dit de choisir. Et ouais, je vous jure, ma tactique est simple. Alors, sortons dans le 15, numéro jaune. Les gars, on n'a pas beaucoup de temps, alors je me cache ici tout de suite, allez. Bonjour les gars, je suis le clown spatial. Oh maman, le clown de l'espace. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous lancer des fusées en fait? Je suis allé 3 fois sur la Lune et 14 fois sur Mars. Pas possible, sur Mars. Je suis sûr de gagner aujourd'hui. Je vais trouver ces farceurs et les mettre en prison. Les gars, regardez ce que j'ai pris avec moi. J'ai scotché mon téléphone pour ne pas faire trop de bruit. J'ai une tactique spéciale. J'ai apporté un blaster de la planète Mars. Je vais l'utiliser aujourd'hui pour chercher et vous prouver que ma tactique est la meilleure. Alors là, c'est un clown qui a vraiment de l'expérience. Il faut porter un casque pour tirer du blaster. Sinon, l'impact sera trop fort. Ah, intéressant. Je me demande si la boîte est vide ou non. J'aimerais bien vérifier. Je ne peux pas la prendre. Il y a un obstacle. Oh, j'ai eu une petite fente là, regardez juste là. Je peux voir à travers en fait. Qu'est-ce que c'est? Un Richter, je t'ai trouvé. Mes amis, nous irons ensemble à la prison avec la boîte. Attendez. Là, 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 là. Et te voilà. Un Richter, Je viens de voir ce cosmonaute voler Artyom Arishtev. Maintenant, Arishtev va aller en prison, quoi. Allez, hop. Je t'avais dit que mon blaster fonctionnait. Je vais choisir une nouvelle boîte et tirer dessus avec mon blaster. Pas dans ma boîte, s'il te plaît. Le blaster m'a dit que c'est une boîte. Il y a 2 boîtes qui sont tombées. Il n'y a personne dedans. Il a un blaster de haute technologie. Il pourrait certainement nous battre avec. Je suis très attiré par la couleur rouge aujourd'hui. On va voir ce que ça donne. Intéressant. Vite. Le blaster m'a trompé. Je me trompe rarement. Eh ben c'est pas grave, j'ai encore 6 essais entiers. Les gars, je n'ai aucune idée comment ce clown cosmonaute a pu m'attraper si facilement. Il a l'air de trouver tout le monde avec son blaster. Soyez prudents, les gars. Zut, Artyom n'a pas eu de chance. Il s'est fait prendre par ce clown cosmonaute. Mais on est nombreux maintenant. On est 3 et ce clown est que seul, quoi. Ouais. Arishtev est déjà attrapé, il reste 3. Je pense que je peux m'en sortir facilement. Où êtes-vous, mes chéris? J'entends Alina, elle est juste là. Où vous cachez-vous, mes chéris? Pensez-vous pouvoir échapper à mon blaster? Je ne vois personne pour l'instant. Le blaster me donne un signal. Il me semble avoir repéré quelqu'un à proximité. Nous devrions s'y tirer. Elle est juste là, derrière le mur. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous trouvez Alina? Mais qu'est-ce que ça? Allons-y, en prison, allons-y. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé. Deux, vous comprenez? Et les autres ne pourront pas se cacher. Pourquoi est-ce qu'on se fait toujours attraper avec toi? Mais on t'attrape toujours et tu le fais avec tout le monde et pas moi du tout. Tout l'espoir repose maintenant sur William Bruno et sa fille 1, 2, 3, 4. William Bruno ne se fera jamais prendre, je sais où il est assis. Je suis heureux qu'Alina croit en moi. J'espère que vous croirez aussi en ma victoire, les gars. Il pète tellement que je l'entends d'ici. Et les autres ne peuvent pas se cacher. Je ne vois rien. Où est sa fille 1, 2, 3, 4? Et William
pistolet, donne-moi non, 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 ne demande pas surtout à ce pistolet, il sait tout, lui. Ouh, Blaster n'a plus d'énergie. Mais ce n'est pas grave, j'ai un super casque qui était avec moi sur Mars. Il est équipé de plusieurs capteurs infrarouges et auditifs qui captent toutes les vibrations. Je vais le mettre et voir. Merde, ce clown, il est en train de tricher. Il va nous trouver rapidement avec ses technologies. Mars, oh non. C'est intéressant, on devrait y jeter un coup d'œil. Ah, il n'y a personne. Son casque ne marche pas du tout. Ça veut dire qu'il ne trouve pas toujours sa proie. Mais j'y vais. Je veux réessayer encore une fois. C'est parti. Maintenant les gars, on va essayer de s'échapper à ces capteurs par une méthode de malade. Vous allez voir ce que ça va être, ça va être trop bien. C'est sûr que je vais trouver quelqu'un. C'est ça les gars. Je me suis cassé dans cette faisceau radio, sous mon t-shirt, et ouais, parce que le sweatshirt ne transmet pas de faisceau radio, il ne devrait pas pouvoir me repérer. Et oui, là, il n'y arrivera pas. Allons-y. Oh, il n'y a personne. Taureau, quoi. Il n'y a personne. Allez, là, ça va là-dedans. Tu as perdu ta tête. Tu as failli nous coincer avec cette boîte. Les gars, ce clown est vraiment cinglé. Je ne comprends pas, il pourrait briser ses barreaux avec cette boîte. Et nous partirons ici en courant pour aller nous cacher ailleurs. Les gars, on ne sait pas où était ce clown cosmonaute. Il a peut-être été infecté par un virus extraterrestre. En plus de la pression de l'espace. Mais c'est pas grave, j'ai encore 3 essais. J'ai enlevé ma chemise. J'espère que mon casque va fonctionner quand même. Parce que là, je sais pas, c'est la merde. Je peux plus rester dans cette boîte. Il fait trop chaud sur mon sweatshirt. Regardons la couleur jaune, celle que je préférais avoir. Qu'est-ce qu'il fait? Non! Ça fait qu'à 2-3-4, te voit le prix. Range ton téléphone. On y va. D'accord, prends-le. Joue avec tes jouets préférés. Quel jouet tu parles? Allez. Il a attrapé presque tout le monde. Non, mais cette technologie l'aide beaucoup dans ses recherches. Déjà toi. Les gars, je suis choqué. Il ne reste plus que William Bruno. Ce clown cosmonaute a trouvé tout le monde. Les gars, vraiment, j'aurais dû enlever mon sweatshirt, car il ne me serait pas passé les faisceaux radio. Et dès que je l'ai enlevé, hop, il m'a trouvé. C'est une merde, c'est la merde. Je suis vraiment trop con, mais de toute façon, c'est pas grave que je suis débile. Alors regardez pas ce truc. Le sweatshirt, j'ai compris. Sa fille m'a dit que ce pull ne transmettra pas des ondes radio qu'émet ce cosmonaute. Et que j'aurai une chance de jouer justement. Il ne pourrait pas utiliser son casque. Alors je cacherai mon visage derrière ce pull. J'ai déjà attrapé 3 personnes. Je suis le leader de ce jeu. Les autres clowns sont comme Mars. Essayons le rouge, le gras, comme William Bruno. Je suis sûr qu'il est dedans. Ah, raté. Ouh, le dernier coup qui reste. Il ne veut pas se tromper. Oui, ils ont gagné, mes petits gamins. Clown, tu veux un indice? Il n'y a pas besoin de lui donner un indice. William Bruno est dans une boîte comme la Terre. Alina, pourquoi as-tu donné un indice à ce clown? La Terre est bleue parce qu'elle est composée à 70% d'eau. Je suis astronaute, j'ai volé, je sais. Vous ne me tromperez même pas. Je croyais que la Terre était verte. Je suis dans une boîte verte, moi. Il faut donc une boîte bleue. Oh, c'est loin, très loin. C'est bon, on va y arriver. Raté. Ah, il m'a pas trouvé. Il m'a pas trouvé ce putain de clown. Ouais. Allez, les gars, merci beaucoup de croire en moi. Alina, tu es si méchante. Je ne te pardonnerai jamais. Tu vas me faire disparaître maintenant. Allez, disparaît, clown. Je disparais. Les
gars, il y a un autre tour qui arrive. Aucun nouveau clown ne s'est encore présenté, mais nous avons quelque chose à lui offrir. Bon, c'est à moi de vous chercher maintenant. Eh bien, vous ne vous êtes pas caché, je comprends pas. Vous savez quoi ? Pourquoi c'est toujours nous qui nous cachons, hein ? Ouais ! C'est déjà la deuxième partie de cache-cache des clones stupides ! Et vous, les petits gars, vous pouvez pas vous cacher un peu ? Et vous ne pouvez même pas vous cacher ! Vous savez que chercher ! Essayez de vous cacher ! Ok, je ne comprends pas, là ! On est mauvais, nous ! On peut se cacher aussi ! Nous nous cachons, vous ne pourrez pas nous trouver ! Essayez de nous trouver ! Ok, on va le trouver ! D'accord, d'accord, pas de problème ! Mais je ne comprends pas où ont disparu les autres clowns. Vous étiez trois. Et qui a dit qu'il avait disparu? Alors, nous allons nous cacher. D'accord. Et nous, on compte. Un, deux... Pourquoi vous sortez pas d'ici, hein? Ah ouais, merci, l'opérateur. D'accord, nous allons compter à l'extérieur. Nous allons compter jusqu'à 100. C'est bon, allons nous cacher. Ouais. Et cachez-vous bien, qu'ils ne nous retrouvent pas. Ah, ma couleur préférée est le jaune. Tu ne me laisses jamais tomber. Je vais me cacher ici. Ah, j'ai choisi un bel endroit. Je vais montrer à tout le monde comment se cacher. Je vais me cacher là. Ils vont tous se dire que c'est bête de me chercher tout près de la cage. Je suis caché. Ok, les gars, je choisis cette boîte parce qu'elle est grande et confortable. Alors, ça y est, je me cache. C'est bon, je suis bien là. Les gars, on a un plan. On va trouver ces clowns maintenant, les mettre en prison et les attacher pour de bon. Et après, on pourra s'échapper. C'est ça ? Ouais ! Oui, les gars ! Oui, les gars ! Alors, allons-y. Allons, on y va. 1, 2, courez ! Allons-y ! Les gars, pour que tout soit juste, nous avons tous les quatre droit à 10 essais, mais pour tout le monde. En 40 essais, nous les aurons tous. Cherchons-les. Vous entendez ça? Ils sont déjà là. Bruno, regarde d'abord. Ok, les gars, nous avons 10 essais. Moi, j'ai 3 essais, 2 et demi en fait. Je vais donc tenter ma chance pour trouver le plus de clowns possible. J'ai entendu l'un de ces clowns parler dans le coin en fait. Oui. Ah, zut. Les gars, moi un essai et zéro clown quoi. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle. Il ne reste plus que 3 clowns. Bon, on passe à la boîte suivante. Hey, qui est là? L'astronaute ou l'agent de sécurité? Ou le chien? Hey. Il n'y a personne. D'accord. Je t'ai eu. C'est ça, allez. Laissez-moi. Allez. Non. Allez, monte. Je suis attaché. Oh non. Mes amis, sauvez-vous. Et maintenant, c'est à moi de chercher. Tu penses que dans cette boîte? Je pense que c'est vide ici. Il y a une aura froide. C'est une sorcière. Et là? Les sons de la nature disent qu'il faut l'ouvrir. Allez. Alors, il y a quelqu'un ou pas? Il y en a, mais pas ici. Et Alina, t'as dit qu'il y avait quelqu'un ici, mais il n'y avait personne là-dedans. Alors c'est toi qui l'ouvre ou moi? Tu penses que je vais te le dire? Peut-être que je suis plus intéressée à l'ouvrir moi-même. Les gars, Alina veut que je perde. C'est à moi de deviner maintenant. Alors? Choisis une autre. Une autre? Non, c'est comme tu veux, je veux bien l'autre moi. Encore? Les gars, c'est une boîte vide. Comme dans sa tête. On a déjà perdu 4 essais. Où se cachent tes amis? Je ne sais pas. Ils sont si intelligents, ils savent se cacher, contrairement à toi. D'accord, laissons quelqu'un d'autre chercher. Les gars, j'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai vu 2 couleurs, 2 pilules, une rouge et une bleue. Essayons donc de trouver la première pilule bleue. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, mais je pense qu'il ferait mieux de sortir d'ici rapidement. Oups. Personne. Alors, comme je n'ai pas de chance, je pense que la prochaine boîte sera certainement avec un clown. Safik, t'entends ça? Il y a un battement de cœur juste là. Des battements? Des battements, oui. Safik, aide-moi à soulever cette boîte. Allez, c'est parti. À deux.
D'accord. Oh, mon instant m'a lâché. Sa figure était mon seul espoir. Hein? Moi? 4 essais, sa figure. Tu as 4 essais. Allez, oh, allez. Ok les gars, je choisis cette boîte parce que ma montre indique que c'est cette boîte là en fait, et ouais. C'est celle que tu veux choisir? Ah ouais, celui-là. T'es sûr que tu veux choisir cette boîte là, baby? Cette boîte là, c'est sûr. Et tu es sûr qu'il y a quelqu'un dans cette boîte là? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans celle-ci. Ou peut-être qu'il n'y a vraiment personne. Écoutons un peu. On n'entend rien en fait là-dedans. Mais Safik, je te dis qu'il n'y a personne ici. D'accord, allez, on se casse. Ouais. Oui, je l'ai eu. Je le tiens. Oh, je le tiens, regarde. C'est ça, on y va en prison. Bonjour. Ça alors. Tu t'es pas bien caché. Moi, j'avais la meilleure boîte, mais ils m'ont retrouvé, ces salauds. Ah, ils sont malins. Allez, filez-moi un moment, je vais les attacher maintenant. C'est ça, allez. Tu as les mains attachées ou quoi? Oui, tout comme toi. Comment on va sortir d'ici maintenant? Je ne sais pas quoi faire maintenant. Est-ce que ça fait du bien d'être en cage? Non, c'est pas agréable du tout. Pourquoi suis-je derrière les barreaux? Je dois garder cette cage. T'es ici pour découvrir que ce n'est pas agréable du tout d'être assis ici. Pas du tout agréable. Bon alors, maintenant on va essayer et on va taper toutes les boîtes comme des débiles. C'est parti, je sais où il est déjà maintenant. Combien d'essais nous restent? Vous n'y réussirez pas. Ouais. Les gars, suivez à ce sommet cette boîte rouge avec un coup de poing super spécial. Et le clown tombera instantanément, il n'aura même pas besoin d'être attaché, ouais. Hé, le clown! On dirait qu'il est complètement écrasé. Disparu. Regardez dans une autre boîte. Et les gars, faisons semblant d'être des clowns et attirons le dernier clown. Tu as clown? Safik, je ne pense pas que cela va nous aider. Prenons une boîte au hasard. D'accord. Celle-là, par exemple. Ou celle-là. Les gars, quelle boîte choisiriez-vous en fait? Bleu? Ou celle-ci, quoi? Secouons-la. Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un dans cette boîte pour une raison ou une autre. Non, il y a personne. Ouais, les gars, je l'ai. Les gars, c'est parti. Les gars. Allez. Moi aussi.